le soleil s'éteigne et que l'obscurité efface le monde connu. Que l'ombre passe et que la lumière rejaillisse sur un monde créé par nous. Hello à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode, ce dernier épisode, je pense, de Rise, non pas Rise, Shadow, t'es con, à chaque fois je me dis Rise, Rise of a Tomb Raider, et là, on va combattre le boss final, mes chers amis. On est au boss final, j'ai fait le gros dégueulasse la dernière fois de m'arrêter, en fait, avant, parce que je sais pas combien de temps ça va durer, cette bataille. Ces icônes, il faut que je libère l'énergie qu'elles contiennent. Comment tu fais ça? Comment tu libères l'énergie qu'elles contiennent? Est-ce que j'ai des armes? Oui, j'ai des armes. Mais je crois qu'il faut faire en mode... en mode... Ah putain! En mode cache-cache! Il me voit pas là? Bon bah profitons-en. Comment on fait ça? Faut péter le truc? Ah, faut péter le truc. Ils vont pas me voir si je pète le machin? Ils me voient pas là le gars? Hop là! Hé hey, alors! Wouhou! Merde! Je me fais avoir! Aujourd'hui, nous prenons le contrôle de notre destin! Voilà! Et le 2! Ah putain, une flèche! Wouh! Wouh! C'est que des gens avec des arcs, Stéphane! Ah non, ils ont des casques! Ah les bâtards! Ah, ils ont des casques! Wouh! Ah putain! Oh l'enfoiré! Allez! Ils ont des arcs, que des arcs! C'est rien Stéphane! Je peux te les faire! Il y en avait plein à un moment mais... Voilà! Voilà! Rien ne m'empêche. Comme ça qu'on fait, comme ça qu'on joue! De recréer le monde! Elle a fait à la Neo, tu vois. Aujourd'hui, nous Matrix, le contrôle pour ceux de qui savent pas. Ok, il se téléporte, ça devient n'importe quoi. Monsieur, moi j'ai un fusil à pompe. Wow. Piètre Dieu, comme dirait Hulk. Comment je fais là? Wow, oh, oh. Il est cheaté le gars. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah, je peux, ah, je peux le planter. Donc faut que je l'affaiblisse et que je le plante. Ah bah je t'ai déjà planté une fois frère. Je peux le refaire. Je te prends ton pouvoir. Hé hey, frère, qu'est-ce que tu fais là toi? Eh merde. Oh, heureusement qu'on tombe pas hein. Wouhou. Yeah. Voilà, et de deux. Je suis trop bon. Quoi? Lara, plante-le. C'est moi qui dois protéger Palkiti. Ah si, ça a été fait. Hé, hey, c'est de la triche, ils sont plus durs. La tête l'a fait bien ça. Ah putain, il lance des flèches... Hé
les trois. Est-ce que c'est le dernier? On dirait bien, il a plus son chapeau. Oh, tu peux attaquer. Mais coucou, coup de table, ah non. Plus fort. Oubla, hé hey. Ah, ça a ramé. C'est pas bien. Ça lag. Si je meurs, c'est parce que ça a lagué, hein. Viens, viens. Merde, il était là. Oh, il s'est téléporté, l'enfoiré. Il se téléporte. Viens. Hop là. On joue à chat. Allez. Là c'est fini. Encore. J'ai plus de munitions. Je vais finir. Ah non, il y a les méchants juste derrière. Putain. Je peux plus me soigner. T'es sérieux là? Et je peux plus me soigner. Il va se téléporter, il va se téléporter. Je vais mourir. Allez, tue-le! Ouais! Sur le fil! Je suis désolé. Crève, connard! Oui, on a voulu dire la même chose à Lara et moi. C'est totalement la même chose. Protégez Paititi. Pitié. Pitié, Lara. Promis. Mais oui, ce sera protégé par Titi. C'est vrai qu'il voulait juste protéger par Titi et pas le monde. Et s'il lui arrive? Cette blague. Est-ce que je peux voir? Bien sûr. C'est toi, la Sandra, la Stomère. Je suis sûr que c'est un dessin pourri. Hawaï. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons en faire. Sans faiblesse, ni cruauté. Si tu avais ce pouvoir, tu ferais quoi? Ma courageuse fille, qui ne verra jamais venir, une attaque de jaguar. C'est le passé. C'était bien le passé. Ensuite, pour notre grande aventure, mieux pas changer ça. Il paraît que l'Antarctique est magnifique à cette saison. Papa. Oh non. Alors peut-être le désert de sel en Utah. Richard. Je sais où on va aller. Ah oui. Hawaï. Oh, oui, ça pourrait être. Eh bien, dans au revoir, maman. Je voudrais que tu m'aides un peu. Au revoir, papa. Elle est devenue une déesse à un moment, quoi. Bon, on l'arrête, cette fin du monde, là? En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra.
Sacrifier un dieu ? On vient de le faire, sacrifice est mon devoir. Mais si toutefois j'échoue, le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse. Ah, c'est Unuratu qui devait être à la place de Lara. Lara a pris sa place. J'aime bien ce monde. C'est... Il est pas parfait. Donc ils vont sacrifier Lara. Tout ce à quoi je tiens, maintenant. Ah, le feu cramoisi doit... C'est toi. Ouais, c'est elle, le feu cramoisi, et c'est elle qui... Qui lui rappelle son chemin, son devoir. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, mais c'est toi qui chasses l'ombre. Ils le savaient pas, ça, les gens, que... Protégez Paititi. Pitié. Pitié, Lara. Promis. Tout ça pour se faire tuer, là ? Est un peu bizarre. Bah c'est bien, le soleil est revenu. Ça a pas touché Lara, donc ça a pas tué Lara, donc ça veut dire que ça a juste tué le dieu, c'est ça? Parce que bon, ce serait con de finir. Bon, je sais que c'est peut-être une trilogie, mais ce serait con de finir avec la mort de Lara. La licence Tomb Raider, quoi. On aurait parlé plus que ça si elle mourait à la fin et que c'était la fin de Tomb Raider. Bon, ça charge. J'ai pas un ordi de malade non plus. Ça, c'est Unuratu. Qui est déjà morte depuis un moment, ça, on le savait. Unuratu. Ma mère. Une guerrière. Une rebelle. Une reine. Les générations futures la vénéreront. Tu me mens. Bah elle est là. Quelqu'un m'explique du coup? C'est que le dieu qui était en elle qui a été sacrifié dans ce cas-là? Ah d'accord. Et son esprit nous guidera pour unifier Paititi. Peut-être que si c'est le gars qui avait gardé le dieu, il aurait pas eu de sacrifice, il aurait gardé ses pouvoirs pour juste protéger Paititi. Ça doit être ça le truc. Et Lara en fait a pris ce pouvoir pour le sacrifier, ce dieu-là. Merci. Ok. Je pense que c'est ça. Je vais retourner à Kuwakiaku demain. Ah oui? La jungle te manque? Tu veux trouver ce fameux arbre à poisson? Je vais passer quelques jours sur la côte. Ah ben voilà, surtout, Abby! Je suis contente. Elle est contente. Et toi alors? Je crois que je vais rester ici encore un peu. Et restaurer d'autres artefacts. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. On dirait que c'est le jeu même, hein. Il me dira ce que Paititi voudrait reconstruire. Wow. Donc elle reste là. J'en ai marre de chercher. J'ai envie de profiter des vivants. Quoi, là, avec les gens qui s'empagnent? Okay. T'as pas des bagages à faire, toi? Non, t'es coincé avec moi jusqu'à demain. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, Lara. Ah, ça c'est pour dire... Bon voyage, Jonah. Quand Paititi sera rétabli, vous pourrez vous balader autant que vous voulez à Paititi. On apprend plus sur le monde extérieur. Quand tu veux, suffit de me prévenir. Toi aussi, Ushu. S'il en a envie. Alors, Jonah, Lara me dit que tu as une amie. Nous viendrons à ton mariage. Direct comme ça. Edsley, et si tu me montrais les plans du nouveau temple? Ah, la musique est magnifique. Ce sera magnifique. Très belle musique, ça. Eh bien voilà les amis, on a terminé Shadow of the Tomb Raider. Ça faisait un bail que j'avais pas fini un let's play, hein. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Des bisous à vous, merci d'avoir suivi ce let's play, hein, pour ceux qui ont suivi. J'ai vu, vous en faites pas, j'ai vu les gens qui commentaient de temps en temps. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau let's play.
un autre jeu, en sachant que j'ai pas fini encore Rise of the Tomb Raider. On a fini Shadow, mais pas Rise. Peut-être ce sera le prochain. Voilà. Des bisous. À bientôt. J'avais tout faux. J'ai cru que pour prendre le contrôle de ma vie, je devais réaliser quelque chose d'extraordinaire. J'ai cru que je devais tout régler. Mais les mystères du monde doivent être appréciés plus que résolus. Et je ne suis que l'une de leurs protectrices. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, Jonah. Mais quelle que soit l'aventure qui m'attend, j'ai hâte de me mettre au travail. Je vais essayer de ne pas trop me prendre au sérieux. Le majordome ! Du thé, Miss Croft. Volontiers. Le gars a toujours été vieux, quoi. Bon, finalement, j'ai passé un petit peu le générique parce que il y avait quand même cette petite scène finale. Ça aurait été dommage que vous ratiez la scène finale. Pour l'instant, je suis contente d'être à la maison. C'est un gros boulot quand même de faire un jeu vidéo.